Bonjour, bonjour. Ça fait très longtemps. J'ai un peu abandonné les vlogs, un peu beaucoup. Je ne sais pas si je vais m'y remettre assidûment ou pas, mais là j'ai eu une petite envie quand même de vloguer. Donc voilà, j'ai fait des plans, mais c'était hier soir. Je suis installée, hop, devant mon ordinateur. J'ai préparé quelques petits posts pour mon compte professionnel et j'ai très envie de tourner des TikTok, des Reels sur Instagram pour mon compte pro aussi et en fait je planifie tout ça entre guillemets dans ma tête pour moi. Donc là je vais aller rechercher un petit peu mes idées, les vidéos que je n'ai pas encore tournées et qui pourtant vont être publiées tout bientôt. Je me suis fait un petit planning en fait, je publie des posts écrits les lundis et samedis. Et le mercredi, je publie des vidéos, donc sous forme de réels, de TikTok, etc. Donc là, je me rends compte que je n'ai aucune des deux vidéos de prête. Voilà. Donc celle de mercredi, donc là on est vendredi, celle de mercredi, elle n'est pas prête. Et celle de mercredi d'après n'est pas prête. Et j'aime bien prendre un petit peu d'avance. Je ne vous ai pas encore montré, mais il y a une nouvelle petite personne qui est arrivée chez nous. Il va falloir que je fasse quand même une vidéo pour vous en parler. Mais qui dit faire une vidéo, dit se poser, faire la vidéo, ensuite le montage et ensuite la publier. Et j'avoue que bah, c'est pour ça en fait que je suis très peu présente sur YouTube ces derniers temps. Je fais beaucoup pour mon boulot, essayer de. Je suis encore dans du démarchage, de me faire connaître, etc. C'est pas évident, évident. Je suis encore dans cette étape de faire connaître mon métier aussi, ça part de là. Donc c'est TK qui nous a rejoint, qui est un chiot American Bully XL. Et maintenant que l'on a un grand jardin, qu'on a notre maison qui est terminée, voilà, c'était possible en fait. Donc ça stimule un petit peu Réglisse aussi, c'est trop chouette. Gnocchi, il est très content, il est toujours content quand on ramène un chien de toute façon, lui. Donc voilà, il y a une petite nouveauté. L'envers du décor lorsque je crée mes vidéos. Je me fais des trépieds maison et tout. Ça ressemble plus ou moins à ça. En tout cas, c'est toujours dans cette pièce qui a été prévue pour accueillir les familles que je filme. Tout simplement parce que ça montre aussi finalement à mon client, mon futur client, la future famille que je vais accompagner, le petit lieu, la petite pièce que j'ai prévue pour justement faire mes accompagnements, se sentir en sécurité, se sentir bien. J'ai choisi une couleur chaude sur le mur coloré et le reste c'est du blanc. Mais le blanc, je trouve que ça peut être assez vite froid, même si c'est neutre. Je sais pas trop comment expliquer. C'est très lumineux et moi j'adore le blanc et c'est pour ça que je voulais garder du blanc. Mais je voulais vraiment avoir un mur qui apporte de la chaleur quand même. Parce que je trouve que ce métier, quand on travaille dans l'humain, on a besoin d'avoir quelque chose de chaleureux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une couleur très chaude. Au jour d'aujourd'hui, on est très TikTok, pour les jeunes en tout cas. Enfin, ce que j'appelle jeunes. Je me compte plus dans les jeunes hein, moi-même. J'ai 29 ans, mais je me compte plus dans les jeunes parce que je suis un peu dépassée. Twitch, etc. C'est pas du tout des plateformes que je gère. Ce que j'aime bien, c'est le côté un peu trend, entre guillemets, avec des musiques qui peuvent être très sympas et apporter une petite touche d'humour sur des sujets qui sont importants. Et comme tu peux le voir, j'ai une assistante ici, mais qui m'aide pas beaucoup. Et alors ma deuxième assistante, n'en parlons pas. Voilà, elle nous a piqué notre fauteuil. Madame, enchantée. Donc c'est TK, la nouvelle bébé de la maison. Un American Bully XL. Pour l'instant, elle n'est pas trop XL. Silhouettes of you are like a taunt.
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh,